Ndambe na biso mo jali sinalola sepe biso bijali kati na biango to jali ko jongisa matondi mingi na ngonga oyo lolenge osili kokokisa maloba na yo mokano na yo kati na moko na basali na yo diagonese na yo akabi bomoi na ye na kosalela yo Yahweh Nzambe. Milulu oyo ensalami nde mpo na biso kojongisa matondi ntembo mpe lokumu epai na yo. Na yango tosengi lisungi na yo, nguya na yo, molimo na yo, ekamba biso kati na seremoni oyo kobanda kino tokosukisa yango. Baintervena nyonso ozala na bango, ozala na biso panso mpe lokola mpote nyonso eleka na se ya lisungi na yo na nkomono ya kole Yahweh tosengi tika ete ezala se bongo. Aleluya! Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mosantu. Tanga, le 9e et 10e verset, Pé Tokoleka, le chapitre 12, Tokotanga, et Teni Yayamboum, Pé Yami Palé. Na Kombo, Nankolo Yahweh, Makomami, Elobi Boye, na français, version Torah. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge. Que ton cœur soit en fête au temps de ton adolescence. Suis librement les tendances de ton esprit et ce qui charme tes yeux. Sache seulement que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Chasse les soucis de ton cœur, éloigne les souffrances de ton corps, car adolescence et jeunesse sont choses éphémères. Surtout, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant qu'arrivent les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras, et non pas d'agrément pour moi, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie. To pondera. Yahweh Mokeli Totundio. Wana isiliyo kopesa biso eliko oyo mpona koyoka liloba na yo. Yahweh loba kati na biso, fongola mayele na biso mpo tososola liloba na yo. Tambusa biso wana ezali biso kobanda kino suka na kombono ya nguya tosengi tika ezala se bongo. Aleluya! Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo mosa. Des obsèques de maman diaconesse Makaya Vangu Bernadette.
Distingués invités en vos grades et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Seigneur éternel, en cette circonstance extraordinaire où nous sommes tous venus rendre un dernier hommage mérité à notre chère maman, Makaya Vango Bernadette, adepte de l'Église Bon Nouveau Message KCC, il est évident que l'émotion de tristesse inonde nos cœurs pour la perte inopinée de l'illustre disparu. Cette perte crée un vide irremplaçable tant à la famille qu'à l'Église. Car maman Diaconesse Makaya était un personnage modèle pour nous et pour la patrie. Son engagement à vouloir servir l'Église de Dieu a servi de référence pour beaucoup de cassécistes. Elle était toujours parmi nous lors des grandes manifestations de l'Église, entre autres, différentes visites du chef spirituel à Matadi. Distingués invités en vos grades et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Seigneur éternel, de son parcours vital sur cette terre des hommes, nous retiendrons que l'illustre disparu avait de nombreux bienfaits. À titre illustratif, ses encouragements et divers conseils à l'action de la femme de l'Église Bon Nouveau Message KCC. Elle a adhéré à l'Église Bon Nouveau Message KCC depuis son jeune âge, plus précisément au mois de juillet 1987 à la paroisse de Matadi, à l'occasion des obsèques de sa défunte mère, maman Diaconesse Nzusi. Vice-présidente des chorales paroissiales de Mikondo dès 1990 à l'an 2000, année de la création de la paroisse de Kinkanda, où sa maison de safari a été le siège de la paroisse de Kinkanda, avant l'achat de la nouvelle concession de la paroisse de Kinkanda. Deuxième vice-présidente des chorales urbaines de Matadi, fait bénin homme et femme, jusqu'à sa mort. Elle a reçu sa première onction le 5 novembre 2006 et est devenue diaconesse dans cette même paroisse de Kinkanda le 18 janvier 2018. En dépit de ses services rendus avec plusieurs grades de plus ou moins 50 ans au ministère du Travail de notre pays, l'illustre disparu fait partie des modèles à travers son attitude d'humilité, de bravoure, un personnage généreux, simple, obéissant et pragmatique. Elle a soutenu des veuves et des orphelins et a beaucoup contribué à l'épanouissement social de la Fébénin Congo central. La mort de maman Diaconesse Makaya Vango Bernadette n'est que l'accomplissement de la parole de l'Éternel contenue dans Genèse 3, 19, qui dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. Il s'agit donc d'un principe divin à l'endroit de toute créature humaine, de retourner dans la terre d'où notre corps périssable a été tiré pour redevenir poussière, sa matière initiale. C'est l'âme qui monte auprès de l'Éternel et le corps reste mort jusqu'à l'éternité. Voir Ecclésiaste 12, 7 qui dit que la poussière retourne à la poussière, redevenant ce qu'elle était, et que l'esprit remonte à Dieu qui l'a donné. Notre maman nous quitte conformément à la voie définie par le Créateur de l'univers en date du lundi 9 septembre de l'année en cours. Que son âme repose en paix. Nous vous remercions. Ma tondi e pa ina yawe njambe na biso biso banso tojali awa tojongisi ma tondi e pa ina yawe na oyo apesa ki biso pe lo azuye yawe njambe a jali souverain yende akopesaka yende pe akozwaka. Avant ya kopema na maman nazwaki ngolo grâce ya kokutana na ye na résidence na ye na Kinshasa na Kitambo mpe kosolola na ye eloko ya malamu mpe témoignage lisusu epai na maman malgré kotungisama na nzoto abungisaki elika na ye te kondimana na ye te na yawe nzambe na ye wana ezali likambo ya malamu mpo ete na ntango na kotungisama moto akoninganaka mpe moto akoki kobungisa kondimana na ye nasololaki na ye mpe tosalaki mosala. Yahweh Njambe akumisama mpo ete akati na kibonjambe na ye tobetela Yahweh mabaku te tozongisa bobele matondi epai na Yahweh. Matatoli tope litatoli tosili koyoka na ntina na mama ezali likambo na koyoka kaka te moko na moko esengeli na ye ayoka mpe afandisa yango mpo ete Yahweh Njambe atindaki biso bato na se na ntango litatoli malamu na moto na moto na se na ntango ezali na ntina liboso na Yahweh. Toluka kozala malamu na bato, toluka kozala malamu na lingonga na Yahweh mpo ete Yahweh azali na mposa ya litatoli ya moko na moko. Mpo ete lola na Yahweh ezali merite te kasi ezali na ngulu. Yahweh Njambe asunga le reste ya programme mpe totondi Yahweh na botondi mpenza. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour la prédication, la prière finale, s'il vous plaît. Golu nanjambe eleki manso omokili ya golu bi kola biso. So
oyo bijali ko mela seko katina biso pointe o jali malamu o patela ki biso uta ebandeli ya likambo oyo na Kinshasa sasa epe na Congo central na ville ya Matadi isungila yo to moni yango pe to tundio sasa epe to jali ko kende ko tika mama na esika na ye oyo ebongisami lokola maloba na yo matatolama utaka tika ete awe ozala na biso otambola na biso mabe nyonso malakama mabe na nzela kimia na yo eungela na bato oyo nyonso bakozala kuna alleluya yaka nkolo yawe na kombo na yo sana. Merci. Merci Joseph Makaya et de maman Marguerite Ndouzi. Nous savons que nous sommes au Congo central. Son parcours vital était marqué par sa riche carrière qu'il a accomplie au sein du ministère du Travail. Et cette dame, fille de la province du Congo central, qui justifie même la province de la plus haute autorité de la province parmi nous, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central, le mot concernant son carrière professionnelle nous sera décliné par l'inspecteur provincial. Il n'est pas facile en certaines circonstances puissantes de prendre la parole, s'adresser à des cœurs brisés et inconsolables. À la suite de ce douloureux événement, pourtant incontournablement inscrit dans le cycle de vie de chacun de nous. Oui, naître, se mourir. Voici au moins pour chacun de nous l'occasion de reconnaître la toute-puissance de Dieu et de lui dire merci pour tout ce que tu permets dans ma vie. Cet être suprême a donné à Bernadette Makaya une vie et aujourd'hui, il a dû redire. Sur le plan strictement humain, Bernadette Makaya laisse une histoire dont le parcours est jonché des temps forts et inoubliables qui feront d'elle à jamais une icône, une référence, une bibliothèque. Bernadette Makaya Vangou fut née un certain 31 octobre 1955 de l'union de papa Makaya Vangou et de maman Zouzi Mbondo, tous deux de tristes mémoires. Elle laisse 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon. Après ses études primaires, la défunte a décroché un brevet d'institutrice, ce qui justifie qu'elle se soit retrouvée à l'enseignement. Elle a quitté rapidement en 1975, quand, admise sous statut, elle a fait son entrée au ministère du Travail, où elle a justifié jusqu'à sa mort. Le 9 septembre 2024, une carrière de près de 50 ans, gravissant des échelons de commis à directeur à l'Inspection Générale du Travail. Comme toute personne humaine,
Bernadette Makaya doit avoir croisé certaines gens en parole, en acte, et que sais-je encore. Voici l'occasion pour moi de demander à toute personne qu'elle aurait offensé de lui pardonner sincèrement. Maman, sœur, tante, collègue, mémé Bernadette Makaya Vangou, tu auras accompli ta mission sur cette terre des hommes. Va dans la paix à la rencontre de ton Dieu. Nous ne t'oublierons jamais. Seule la douleur de la mort nous afflige, mais l'espérance de la résurrection nous consomme. Je vous remercie. Loin de nous l'idée de te dire au revoir un jour, du moins vraiment pas en ce moment. Mais l'Éternel a donné et il a repris. Nous savons maintenant que tu te reposes en paix après ces épreuves de la vie que tu as endurées. Nous ne pourrons jamais cesser de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous tes conseils et pour ton éducation. Car tu jouais un rôle d'une parfaite grand-mère pour nous tous et d'une seconde mère pour moi, Angie. Nous te remercions aussi pour toutes les prières que tu as eues à faire pour nous. Merci pour ton amour inconditionnel que nous avons reçu. Merci de nous avoir vus grandir et d'avoir joué ce rôle de la magnifique mémé qui a lié tendresse et fermeté. Merci car tu as toujours été là pour nous fortifier, me donner tes conseils et tes valeurs. Je n'aurais jamais cru que ce matin-là de mon départ pour l'internat serait notre dernière rencontre. Si c'est un cauchemar que je vis, puisse Dieu me réveiller de ce sommeil. Comme on dit, la mort n'arrête pas l'amour. Et l'amour que j'ai envers toi ne cessera jamais dans mon cœur. Nous croyons fermement que tu as accompli la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Puisse Dieu t'accorder une place dans sa glorieuse demeure. À jamais dans nos cœurs, repose en paix, mémé. Je suis Désiré Kekoubanila, chef de division, chargé de contentieux professionnel, inspecteur principal du travail de deuxième classe de la direction provinciale de l'inspection du travail. Je suis secrétaire. En 2002, je me rappelle, j'avais 32. En cette année, l'inspection, qui n'était qu'un bureau au sein de la division du travail, était relevée au rang de la division de l'inspection du travail. Nous n'étions qu'à deux. Moi, j'étais secrétaire. Maman Makaya, que nous pleurons aujourd'hui, était l'inspecteur provincial de la division. On était gâtés. J'ai eu peur de cette dame. Pourquoi j'ai eu peur? En plein processus. Plein processus de recrutement des travailleurs à embaucher au sein de l'Onatra Matadi. À l'époque, nous avons été envahis par les gens qui cherchaient en quête d'emploi. Vous comprenez, les dragages que vous voyez, ils étaient tous dans le couloir et nous étions envahis. On se disait finalement on va mourir ici parce qu'on ne savait plus travailler et les gens fonçaient. Nous étions au niveau de cinquième niveau. Je me rappelle, il y a un chef de division qui est passé pour calmer la population, calmer les gens qui faisaient des bruits. Personne n'écoutait. Et à l'époque, nous avions un chef de bureau qui était le plus costaud de la division. Il est passé, cherchait à maîtriser la foule. Personne n'écoutait.
Subitement, nous avons vu une dame à l'époque qui montait rapidement au niveau du dragage. Et quand elle a dit mot, elle a dit tous vous régulez. Bozonganasima. Et tout le monde a régulé. Je me suis posé la question, qui est cette dame? Tout le monde a régulé. Et nous avons travaillé correctement et on a fini les travaux. Un jour, je me suis posé la question, j'ai dit non, je dois dire à maman, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à maîtriser cette masse ces jours-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dira que c'est le fruit du travail. Aimer le travail. Et je me rappelle, elle m'a parlé de toi ces jours-là. Les jours où tu vas devenir inspecteur du travail, tu auras à respecter les C comme conseil, C conciliation et C contrôle. Il faut respecter ces trois C. Vous irez loin. Vous savez, dans les chefs des travailleurs ou encore dans les chefs des employeurs, il y a des enfants, il y a des parents. Si vous arrivez à bien réaliser les objectifs attendus, à bien travailler, ils vont véhiculer votre nom. C'est de cette façon-là qu'on va vous connaître. Donc, Maman Makai a été connue de cette manière-là. Elle nous a appris. Là, je vais citer la première caractéristique, c'est la personnalité. Elle avait de l'autorité. Donc, elle nous a légué comment se faire respecter. C'est ce que nous retenons là. Et elle est partie plus loin à nous dire que aimer le travail et il faut être propre quand vous travaillez. Donc là, je crois que j'ai ramassé déjà la deuxième caractéristique qui est le travail. Elle nous a appris à aimer le travail. Donc la personnalité, elle était autoritaire et elle aimait le travail. Troisième caractéristique, Maman Makai que nous plairons aujourd'hui, aimer la réussite, elle n'aimait pas l'échec. Durant tout le temps que nous avons passé avec elle, avec les collègues, avec tout ce que nous avons connu comme problème sur le plan professionnel, sur le plan social, elle n'a jamais échoué, elle n'avait pas échoué dans ses actes. On avait toujours trouvé solution. Donc elle nous a appris. Et c'était cette caractéristique aussi que nous léguons à nos jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail. Je suis dans l'angoisse extrême. Dernière rencontre à mon amant Makaya, voilà qu'on a à Kinshasa, dans la salle Via Nova. Voilà modéré ma foya, maman Lissi, la défaite ma Lissi, pendant que tu es gouverneur Fugarunto là. Dans la salle Via Nova, j'étais avec elle, de 19h, 5h30, nous avons causé longuement. Pour moi, c'était une grande sœur. Une grande sœur. Quand il m'appelait, quand elle m'appelait, en fait, petit Pierre, viens. Petit Pierre, viens. Donc, c'est-à-dire, en elle, j'ai senti le pouvoir. Donc, en elle, j'ai senti réellement qu'il était né chef. En elle, j'ai senti le pouvoir. Parce que quand on est chef, hein, ça se sent. Ça se remarque. Ça se constate. Vraiment, à Matadi, nous avons perdu un bon cheval. Nous sommes convaincus que le très haut va faire naître un autre bon cheval comme Makai. Je suis convaincu que Dieu l'a invité. Dieu l'a invité, je suis convaincu. Matondo. On va prendre la parole pour les comptes de tous les enfants. Pour qui nous sollicitons encore vos acclamations. Le temps qu'il va s'approcher ici, il faut l'encourager. Merci. Bampangi Motabetoe. Merci beaucoup pour la parole. J'ai voulu juste
dire merci à maman de nous avoir formés, de nous avoir laissés dans une bonne voiture qu'on appelle KCC. C'est triste, c'est douloureux, mais je suis dans la joie car maman a pu réussir. En ce moment, je sais que maman est dans la gloire. J'étais avec maman pendant tout ce temps de maladie. Même un jour avant sa mort, moi j'étais à Matadi, mais j'étais en appel vidéo avec maman. Elle était préparée spirituellement. Et c'est ma joie. C'est ma joie. C'est ma joie. Pourquoi? Parce que elle était dans ce monde. Financièrement parlant, elle a réussi, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de l'éducation de ses enfants, la maman a réussi. Pourquoi? Parce que elle a laissé un grand homme que je suis, elle a laissé des grandes dames. Donc voilà, elle a fini sa mission car là où elle est, elle n'est pas inquiète parce qu'elle sait que mes enfants sont restés avec la parole de Dieu, avec la parole du prophète Isolène et aussi. Matériellement parlant, les enfants se battent et ils ont les bagages intellectuels et ils ont un petit rien pour se nourrir. Voilà, donc elle n'a pas de soucis. Elle n'était plus ma maman, elle était une amie pour moi. Maman Makaya m'a formé, elle m'a formé. J'ai étudié dans des bonnes écoles avec des enfants des généraux à Tumba à l'époque, des généraux, des ministres, mais elle était inspectrice. Déjà à l'époque, à l'internat, là où un enfant des ministres a 100 dollars comme argent de poche, moi j'avais 200 dollars comme argent de poche. Parce que j'étais toujours choyé, aimé, fils unique, Pichu Makaya. Maman elle a tout fait, elle avait tout fait pour que nous ne manquions pas de pain. Maman a beaucoup travaillé pour nous, même avant sa mort elle a tout fait pour que nous ne manquons pas de pain. Je sais que beaucoup diront que non, voilà, c'est parce qu'elle est partie que je dirais qu'elle était une bonne mère. Non. Ma mère était une bonne mère, vous le savez. Et c'est chaque semaine que je disais à maman, maman, I love you so much. Maman, je t'aime beaucoup. Et c'était sincère. Jusqu'à présent, j'adore, I love ma maman, j'aime ma maman, ainsi que mes soeurs, nous aimons notre maman, parce que nous sommes des fruits de cette dame. Pour moi, elle n'est pas partie, elle n'est pas morte, parce que son sang, je suis resté avec son sang. Elle avait le visage, la voix d'une femme.
femme, mais en elle, elle était un homme. Ce qui est bien avec ma maman, elle nous a appris l'humilité. Elle nous a appris l'humilité. Des fois, je laisse mes jeeps à la maison, je prends des taxis pour aller au travail ici à Matadi. Mais les gens disent que, ah, oh, on a tout le temps, on a culotte, on a pantalon, on a boy. Mais on a quand même un camion, le barrage, mais. Vous voyez, même on a dit non. Alors voilà la raison. Attends, il y a un bon mot. Attends, il y a un camion, ni sorte. Attends, il y a un bon mot la banque. Il y a un somba, il faut faire. Ce que vous voyez, c'est un bon mot. Et que somba, il y a un bon mot. Mais il y a un bon mot. Mais il y a un bon mot. Compose s'ils peuvent. Merci beaucoup.
de Bomingi, Babandaki, Matanga, Bandaki, Kinshasa, Kona Bolingo, Ya Maman Abisso, sa direction, et puis ma collaboratrice, Ebele, Banda, Babandaki, Misamusala, Nabango. Merci. Et la fanfare de l'EBNM s'apprête à arrêter pour céder grâce à la fanfare de la police nationale. Merci la police d'être arrivée d'abord. Merci beaucoup. La fanfare, vous pouvez continuer. Si Manabango, vous voyez par la délégation, il y a OEBK. OEBK s'apprête. La direction provinciale de l'OEBK. Délégation de l'OEBK. Conduite par le directeur général Jean-Claude Mapapou. Nous appelons la délégation de l'OEBK qui est conduite par le directeur général Jean-Claude Mapapou. Merci. Monsieur le directeur provincial de LMC, OCC, la CNCS, s'apprête aussi. La direction provinciale de l'OCC et celle de la CNCS avance. Merci la police. Na Masengeli ya Libota Basengi police. Fanfare et police nationale, Babongama. Ceux qui vous suivent, beaucoup mis prêts pour saluer les aussi pour que fanfare et Ebenem Bakata. Merci d'avancer, merci. La direction provinciale de LMC, vous pouvez avancer. C'est une congolaise. Les différentes divisions. Merci maman chef de division de Jean Bangouana, chef de division provinciale de transport, commerce, Tokoki Boleka. Le terme syndical. Merci.
formation syndicale, nous pouvons avancer. Thank you.
Kotambola, Kotambola. Merci la femme. Merci la paroisse de Kitambo. Merci comité des chorales urbains, Payouapi Maman Abisson, juste Kino et Atiki Bisso à Zalaki vice-président. Tokoyambapé, comité urbain de la GBNM. La famille demande à la fanfare de l'église Kimbanguiste que ceux qui va copier Coco Tanakati qu'ils prennent place pour qu'elle va participer à la Milulu Oyo. Les enfants, le petit-fils, les arrière-fils, ainsi que la famille. Bisounioso, et la grande famille professionnelle et administrée à travail, ma chef de division, Bisounioso, pour obtenir la hôtel Macréon. Position.
biologique, petit-fils, arrière-petit-fils. Nous sommes en équilibre dans le recueil maté, tout le monde est au salaire. Nous allons pour le temps enlever le corps. Position.
Alors, on s'est dit que nous avons chaque bois là, nous avons un chef du village, nous avons un tote qui est alors, nous avons un tote qui est là, 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 le chef du village à l'écart a intervenu. Il y a quelqu'un qui s'y fait. Quand on voit Maka, on a qui s'y fait. Il y a une cérémonie qui est Kibukaka. Il y a une cérémonie qui est Kibukoko. Ce qui est, en tant que chef du village à l'obby de Lobanaye, ce qui est l'obby de Sili, dans le monde des Juifs, il y a beaucoup de relations sur Awate. Je suis venu à un cimetière. Je suis venu à un cimetière. Na yao moke na mambo mingi ya kutibage me kasi na kisi banda tamba mwadi lavo ya ensamba ke jambo mosi ya nguri na beto atange kunwa kave merci, il n'a pas d'accord à mon avis. Merci, il n'a rien de mon métier, mais le nom, on n'a pas de place. Et la partie à Boubouya, il est en place ici. Je suis en Vimba. 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 Binadette, tu as été pour nous un trait d'union. Vraiment un trait d'union. Tu as fait tout pour unir la famille. Et la famille était unie à ton église et la famille était unie à ton travail. Nous l'avons pu le voir pendant tes obsèques. Maintenant, tu vas vers le Seigneur. Tu vas vivre avec l'Éternel. Intercède toutefois pour nous, pour que cette unité que tu as créée dans la famille demeure. Merci encore.
pour tous ceux qui ont fait un effort pour basali sa biso basala na biso elongo. C'est vrai que pitcho alobaki to linga ki ezala bongo te hein, mais ma bongisa mi en kolo et salité tu ya e pas e. Longi sa kanga na tango yami mekano na kota zola kombo na yo mikolo nyonso ya bomo ilanga. Mfumu yave kadi mitu ya yi ya mfilu ya ifukilanga fuasi ya fua kaka oto gwena mambu mayave ngeye unavutuka mtoto muwabongwa kadi ngeye ufundu fundu unavutuka kala fundu fundu ikuma widi mulembo atambula yave mumoyo andi. Yelembolo sadila binsi kumiandi, mwelandi unakwenda kunsembolo yamvu yamvu. Kansi, ndiye u utambuni yave mumoyo andi, yesisi dimi, yesadidi binsi kumiandi, mwelandi unavuluswa, yetambulwa mkembo andi. Mujodio, lika mwela kuu wavuluswa, ye watambulwa mkembo ayave. Inga, lika wakala bobo, mkumu wafumu yave. Aleluya. Wiza mfumu yave, mkumu wakendo. Je suis
On va pas déposer.